Et salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour le Coliseum quotidien du 13 août. Je vais reprendre ma vie avant tout et me stuff correctement. Voilà. Donc dans mon équipe j'ai un sacrieur 187 Wanted Offering et Katsu. Oh, c'est un ami à moi. Voilà. Alors en face. Red Centré, Yop 118, Sadi 200, XYX et Help Greg, son ennemi, apparemment niveau 192. Soigne-toi. Bon, apparemment, on dirait que. Ouais, non, il a quand même l'initiative, mais il est pas full vie. Ça commence bien. Je crois que le mieux à faire, c'est peut-être focus Lenny. Qui vire la PO. Je viens de mettre en ligne ma vidéo de mise au point de la Capi Academy. J'espère que ça a bien fonctionné parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment expliqué exactement ce que j'attendais. Mais bon, maintenant je pense que ça devrait être un peu plus clair et que ce sera des vidéos un peu plus sympathiques à vous proposer. Moi j'ai essayé, s'il bouge pas trop, d'attirer Lenny avec un rouble à botte. Ouais, voilà ce que j'allais lui écrire de coop. C'est bien joué pour le moment. Moi je vais focus Lenny par contre. Là je envoie un message. Donc on va essayer de focus Lenny en le gardant de notre côté. Mode jouvence, mode régénération et mode envol. Voilà, donc je vais aller le bloquer ici au cac. Et on va retirer un PA avec un coup de air contemporain qui crit à 551. Donc ça c'est pas mal. Par contre le Yop va pouvoir nous faire. Non, je crois que ces épées d'Yop il sait pas faire cette zone là. Non, il va aller sur le sacré. Il fait une coco dans le vide. Ça c'est un peu con, je crois qu'il aurait peut-être dû attendre et essayer de taper dessus directement. Faudrait que Katsu fasse des CC, voilà. Bon, il en fait un. Lenny qui a plus que 737 points de vie. Ouh, le Sadi qui est à la touche, pardon, je vous augmente le chat, j'avais pas remarqué. Donc le Sacri qui logiquement devrait pouvoir venir au corps à corps, peut-être finir Lenny. Il me transporte. Un coup critique. Un deuxième, voilà, donc on finit Lenny. Donc ça c'est déjà pas mal. Moi je vais foutre le Sadi dans un mur de bombe. 1, 2, 3. Voilà. Et je me casse. Voilà, donc pour le moment le combat c'est pas mal parti, hein. Ils ont déjà plus des nids. Le Yop il risque de pas faire trop long feu. Par contre maintenant il va falloir faire gaffe. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il va le sortir du mur à mon avis. Même pas. Il lui reste 2 PA, logiquement il devrait faire une intimidation. Ou un souffle. Ouais, voilà, une intimi. Par contre le Yop, s'il reste là, le prochain tour t'es dans le glyph, hein, grand. J'ai que ça à dire. Mais il reste là, donc prochain tour, peut-être dedans. Hein,
même pas. Si le bloc là, prochain tour, je fais une triple. Ah merde. Sinon j'aurais fait, si le Yob j'aurais poussé et montation sur lui, une troisième bombe et boum. Par contre s'il reste là ça peut faire mal. Donc, oh c'est parfait. Regardez l'aimantation. Ouais. Donc on fait une botte là. Une aimantation sur lui. Voilà. Une bombe ici. Et on va faire une aimantation. Donc je vais pas faire une triple bombe. Voilà, je vais la mettre dedans tout simplement. Voilà, comme ça je fais pas mal de dommages et ma team ne prend pas de dommages. Donc Katsu qui fait des coups de dague d'un critique, voilà, il termine le Yop. Il aurait peut-être dû faire une... Ah non, il peut plus faire sa flèche de dispersion par contre. Le Sadik qui perd encore un PA, donc mon avis ce tour-ci sera terminé. Hein. Logiquement il va tuer Katsu, à moins qu'il ait plus de... Non, il a plus de PA. Donc il ne saura pas tuer Katsu. Laisse-le moi. Voilà, j'ai une alimentation. Et on termine, et voilà, on a gagné. En 4 tours, sans avoir une seule mort, donc... pas mal je trouve pour comme colis, ça faisait quelques jours que je vous en avais pas proposé, mais c'est vrai que pour un colis comme ça, moi je veux bien. Donc à très bientôt pour un prochain Coliseum ou une prochaine vidéo, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.